Lille 0-0 contre Guingamp, c'est un bon match nul. Ça fait plaisir, voilà, on n'a pas gagné, mais ça reste quand même un bon point. Parce qu'on a besoin, de prendre des points, même si c'est un par-ci, un par-là, il faudra qu'on en prenne jusqu'à la fin, c'est important pour le maintien. Il y avait un sentiment de revanche par rapport au match en Coupe de France où vous avez battu 3-0. Ouais, c'est vrai, voilà, on s'est fait un peu chambrer, deux fois 3-0, voilà, on avait un peu, pas une revanche, mais un peu d'orgueil et de fierté à avoir. Et je pense qu'on s'est bien battu et ça a été bénéfique aujourd'hui. Okay. C'est vrai qu'il y avait un peu de tension sur le terrain. Oui, il y avait de la tension, c'est normal. Après, nous, on joue le maintien, donc on est obligé d'aller dans l'impact, on est obligé de se défendre avec nos armes. Et là, voilà, on a joué d'une certaine façon, peut-être c'est pas la plus belle, mais l'essentiel, c'est qu'on ait pris un point. Quand on essaye de jouer, parfois ça marche pas, donc voilà, on a pris cette option-là et elle a marché aujourd'hui. Et voilà, on est content parce qu'on travaille beaucoup au quotidien, que ce soit les joueuses ou le staff, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous faire avancer. Et aujourd'hui, voilà, ça fait plaisir d'être récompensé, on va dire. Oui, on voit qu'on n'a pas pris trop de risques offensifs, notamment en deuxième mi-temps. Il y a eu deux bonnes actions en première, mais en deuxième, c'était le plus difficile de sortir. Ouais, c'est vrai. Et puis, même physiquement, on commençait un peu à s'épuiser. Et on avait vraiment en tête de surtout ne pas encaisser de but. Ouais. Donc, c'était vraiment l'objectif. Ouais, ça a été réalisé. Ouais, okay. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match à Guingamp, justement? Il fallait retrouver de la... Non, par rapport au match à Reims, pardon. Vous aviez perdu 4-0. Bah, à Reims, on est parti sur un projet de jeu différent pour aller jouer, pour aller les chercher haut. Et là, on les a attendus. Et ça a marché parce que en fait Reims, c'est ce qu'ils ont fait contre nous en fait. Ils nous ont attendus et nous ont contrés dans le dos. Donc voilà. Maintenant, nous, aujourd'hui, on a fait un bloc bas et on est parti les contrer. Okay. Et Kelly, comment s'est passée ton intégration? Bon, c'est vrai que d'un nouveau club, pardon, c'est pas forcément évident. Mais encore plus un club qui n'est pas très bien, qui joue le maintien. Non, c'est très bien passé. Je connaissais déjà certaines joueuses. Le staff un petit peu aussi, donc tout s'est bien passé, je suis bien ici, il y a une très bonne ambiance, même entre les filles, même avec le staff, ça se passe super bien, on travaille beaucoup au quotidien, et voilà, ça s'est très bien passé. Au niveau de ton poste, tu as commencé derrière, tu joues au milieu, d'ailleurs vous êtes plusieurs à pouvoir jouer au milieu et derrière, avec Siga et Cathy notamment. Toi, comment tu juges ça? Tu joues maintenant au milieu? Est-ce que tu as commencé derrière d'ailleurs à ici avant de sortir vite sur blessure? Non, j'avais commencé derrière parce que le coach voulait me laisser derrière. Après, finalement, c'est Sigar qui a changé. Et voilà, moi, je suis à la disposition de l'équipe. Et que je joue derrière ou au milieu, ça m'est égal. T'as une préférence? Non, j'ai même pas de préférence en plus. C'est différent. Mais de toute façon, dans tous les cas, je suis un profil plus défensif. Après, j'aime bien combiner, j'aime bien un peu attaquer quand même. Il y a des matchs où, voilà, comme aujourd'hui, on peut pas forcément... Mais on peut pas forcément prendre du plaisir dans le jeu. Mais en tout cas, j'en prends quand on aura maintenant un point. Bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de saison, espère le maintien. Merci.